On peut négocier la nationalité, oui, mais on ne peut pas négocier la terre. Parce que les Zaïrouana, l'État congolais a été créé sur base de Kosangisaba Mabele. Si l'État congolais peut avoir l'influence de décider sur qui doit exploiter là-bas, mais l'État congolais n'a pas le droit de voter la côte expropriée par Mabele pour faire une autre communauté. Et ça, la maté. Et puis ce qu'il y a de Batunyon sur Balandi, Baventure et Samine Assemblée nationale. On a substitué le Parlement par le Parlement debout. Donc, il y a des gens qui confondent le Parlement institution et le Parlement debout. C'est-à-dire qu'il y a un parlementaire debout, mais il faut remplacer un parlementaire élu. C'est fini, c'est qu'il y aura des jurisprudences. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Le fait seulement que la Cour constitutionnelle a perdu la crédibilité, le pouvoir est dans la rue. Je vais vous dire que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de téléphone. Attention à réagir. Et ça, ce sont des lâches qui le disent. Baba Yamouleg ont leur place, ce sont des Rwandais. Parce que le mot Banyamouleg est venu à vos petits bambous contenus. Ce sont des Banyarwanda. Réaco News à vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, l'intelligence au service de la nation. Na pesibino mbote bakongo mani bisika binson et zoami bino okolanda émission na biso l'invité sur Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Mon kolomwa lelo maman Tatiana azaline esengo ya koyamba po na bino papa Alain Bolodjoa po na mambima e matali e kolo bande ko balandi bo yebite likambo ya prestation ya serment ya le mois le loco et à bazouze y a cour constitutionnel le loco moko et que ça la moine nous nous ba député manson y a FCC nangonga et ba mikutani bango na showbuzz kasizale loco peto kotuna poani bango bazaki parmi baye oyo bazali wana te elongo na tata mokambi moi école mituna mazali maike tomoni pe ba député ba susu ya lamuka bazali kuna donc tolo bate lamuka. Et si Félix Antoine Tshisekedi Maboko pour te bamoi musala asali ezali makasi kuna yango toyambi papa Alain Bolodjoa pour to sola na mambi mango papa Alain Bote na yo Bote mama na ngai Bote na balandi. En tout cas merci une fois de plus na opportunité pour possible sur mon quoi lelo to lobela mai matali prestation ya serment ya bazouze ya cour constitutionnelle kasi omoni ke le pouvoir lolenge oyo to lobate et s'arraché na deux ans au président Fati Asali au bato nyonso batrita ki ke azali mabe azali incompétent pendant que ba amina ye ya coalition bango nyonso bazali ko sala mayo bazali ko sala ye akokoka koloba te omoni ke atali boye a surprendre bino bayo bozalaki koloba ke non akokoka kosala te ye yo ti mama na ngai eloko bato bayeba esengeli bato bayeba ezali nini ezali ke ce groupe ya bato bobenga FCC cash bayebi koma kodesoriente biso na badeba nde tozala tozalaki na débat oyo ezalaki ya makasi. Il a qui débat par rapport à la question à Minembo. Et voilà aujourd'hui, tu as changé de débat. C'est-à-dire que tu comprends Abisso. Tu as dit que chaque fois, il ne faut pas créer un débat à Sika. Tu as fait mon cours conjoncturel, oh, Abisso, tu as d'accord quoi analyser, alors que les questions profondes, elles ont évolué. Et puis, là, M. Cézali, il y a un auteur qui m'a marqué, Ezali Guy Rocher. C'est un grand sociologue, tu as dit qu'il y a organisation sociale. À l'oba, la meilleure manière à analyser les faits sociaux et d'aller à Kolongola, les éléments culturels, analyser à côté, les éléments structurels.
Ceux qui ont analysé en gros de manière séparée, pour comprendre la réalité, pour comprendre Marambo et Zaro Salem. Effectivement, M. Félix Tegué, c'est un pantin. Si quoi, le quoi a touché pression, le quoi a moi n'a pas posé acte, n'a sans hasard, Kolinga Kolaksa qui veut s'affranchir dans Kabila, les gens pensent que c'est lui maintenant qui décide. Et pourtant, en réalité, ce que l'on dit, Marambo bien. M. Félix Tshisekedi s'efforce à s'affranchir de Kabila, mais il devient dépendant, il y a Kagame, l'ambassadeur Amer. Pour ceux qui ont dit, ah non, voilà, il y a comme ça à Kabila, Bakuba, oui, mais pourquoi? C'est justement parce que a commis proche, il y a Bato, il y a soutenir Kagame, M. Amer, il y a comme ça à poser un acte. Pas pour résoudre le problème, mais justement, il y a une stratégie, il y a suppléance. C'est-à-dire qu'il veut suppléer tel par une autre personne. Parce que le gros, M. Félix, c'est qu'il y a de ça. Ce qu'on bandit, déjà, il y a un banda qui n'a entré en fonction. M. Félix, c'est qu'il dit mettre en mal les éléments culturels de l'État. C'est-à-dire qu'à commis un souci, il y a que Boma âme congolaise. Parce que dans le cas des éléments culturels, nous avons des principes. Pour ce qu'on a dit même la constitution, il a considéré les institutions comme des principes. Et ces principes, ils allaient portés par les individus. Il y a au moins l'institution président de la République et non l'institution présidente de la République. L'institution président de la République, ils allaient ensemble, il y a principe au bâtier, à partir de l'article 69, tilicolo. C'est-à-dire que le président de la République, il faut à la bouée, à ça la bouée, à ça la bouée, à ça la bouée. Ça, ce sont des éléments culturels. Mais la fonction à présent de la République, on a les bâtiments, on a comment l'organisation ça par rapport à protocole. Ça, ce sont les éléments structurels. Alors qu'on utilise les éléments structurels, il y a fonction à président, en marchant sur les éléments culturels, il y a président, et aujourd'hui, les gens apprécient. Ce qu'on a lui-même par rapport à forcing, il y a eu beaucoup de cas à violation en constitution. Aujourd'hui, les gens parlent d'investiture. En oubliant qu'avant, comme en investiture, il faut d'abord lober sur la désignation et sur la nomination. Parce que vous avez désorienté, il y a un débat. Il faut réfléchir le quoi à Bango. La Constitution est claire dans son article 158. Le membre de la Cour constitutionnelle, au départ, il y aura 3-3-3 par composante. Mais ceux qui déjà installé la Cour constitutionnelle, c'est Salami. Il y a Salami qui a été parce que l'on voit moko après tirage au sort. Ou sauf ceux qui moutou moko na kati na bango beba membre ya cour constitutionnelle, ba commis a fait un mandat. Mais monsieur Félix, c'est qu'il s'est permis. Il a nommé ba membre ya cour constitutionnelle mi balé na composante moko. Sous prétexte que le Conseil supérieur à magistrature est présenté deux personnes. Et la deux personnes ba lobby que non parce que les deux autres personnes ba qui na cour constitutionnelle ba qui nommé na ba poste moussous. Ce qui veut dire que la désignation n'a pas respecté ni la Constitution, encore moins la loi organique numéro 13/026, il y a 2013 portant organisation et fonctionnement à cour constitutionnelle. Et voilà, on a fait ce débat-là, on pensait qu'il est revenu à la raison, on nous amène maintenant à un débat sur l'investiture. C'est-à-dire que la désignation, c'est Amaki Mabe. Tout le monde a constaté qu'il y a une violation de la constitution. Mais bien sûr, ce qu'on a débat, Moussous. Quelque part, Oyobaï, député AFCC, Bakosa, Bazan a raison. Non, mais tout ça, Bakosa, Bazan a raison, c'est parce que Bangonde va créer qui monstre Obabengi FCC Cash. Bangonde va avoir géniteur. Parce que si on avait résolu le problème, il y a élection, il y a président de la République, on avait résolu le problème, il y a comment M. Félix, c'est qu'il y a comment qui n'a pouvoir, eh bien, toutes choses restant égales par ailleurs, on n'allait pas avoir ce débat. Le fait seulement que accession à Félix Tshisekedi n'a pouvoir, c'était en violation de la Constitution. Le fait seulement que M. Félix Tshisekedi a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, et là, qui c'est que M. Félix Tshisekedi, il y a mon coup à faire une base d'illégalité, a commis ce qu'on a instauré illégalité pour installer toutes les autres institutions. Or, les institutions de Tolobi, ce sont des principes. Et c'est sur base de principe de l'État se constitue. Le col a déjà ces principes-là. Ils allaient cause à respecter. Automatiquement, on fait quoi? On est en train de briser le pacte social. C'est-à-dire, toutes les institutions sont illégitimes.
Et donc, tu vas comprendre quel est le rôle de la Cour des tribunaux. Le Cour des tribunaux, le rôle de la Cour des tribunaux, c'est le gardien de la liberté individuelle. Ce sont les cours et tribunaux qui protéger ce que nous avons appelé les éléments culturels de l'État. Mmh. Ah, le collège, c'est l'élément culturel de l'État. Et comme il déjà, et comme il connaît le choc, et comme il connaît la violation par la personne qui a prêté serment au regard de l'article 74, ce qui veut dire que la charpente institutionnelle aujourd'hui est fendue par la force. Mmh. Nous sommes allés au-delà. C'est-à-dire que les éléments culturels, parce que. C'était la légitimité des institutions. Et cette légitimité des institutions, bien qu'on n'avait pas atteint la stature parfaite à l'État, mais au moins, on avait une base. Et cette base est allée cristalliser dans la Constitution. Alors, le quoi tu bimis la Constitution, tu commis qu'on installe l'institution en violation de la disposition constitutionnelle et à l'esprit de la Constitution, ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans la logique de la Constitution, ce qui sous-entend que l'État congolais n'est plus ce qu'il était dans le texte. Comment peut-on toucher l'âme? Parce que ce que tu as dit, cour constitutionnelle, le quoi est allé gardienne, il y a un peu de ça représente la République, il y a un constaté la légalité, la constitutionnalité des actes. Il y a mon code déjà à l'aller entaché. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle a commis illégitime. La Cour constitutionnelle a continué à côté ma composition naïe et d'aller en violation non seulement à disposition de la Constitution, mais à disposition de loi. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que la Cour constitutionnelle Yemoko a continué en violation de la Constitution. C'est ça. C'est-à-dire que l'État congolais a commis un coup faza à Kopola. Bon, ce que les policiers ont mouillé. Bozo Zelanine, ceux qui jugent Aza corrompu, Bozo Zelanine, ceux qui la Cour constitutionnelle a dali sali. Comment peut-on expliquer que la Cour constitutionnelle, par rapport à l'installation de membres, dans le Bible, article 10, il y a loi précitée, que ces juges-là, qu'on a présenté devant la nation. Et la Constitution a pris le soin de définir qu'est-ce qu'elle entendait par la nation. Alors, devant le président. Pourquoi? On suppose que le président a été élu au suffrage universel direct, alors qu'il peut bénéficier de la légitimité rationnelle. Bah, oui, devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est allée bateau qui est élu dans le suffrage universel. Supposé qu'on a élu dans le suffrage universel direct. Bah, il peut représenter les provinces. Et le Sénat a l'allié représentant l'organisation, c'est-à-dire les institutions provinciales. Bango va aller co-représenter. Et puis le Conseil supérieur de la magistrature allait co-représenter troisième pouvoir où il a eu le cours des tribunaux. Mais par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, Balobi, à cause de la représenter par son bureau. Mais où est allé l'Assemblée nationale et le Sénat, Balobi va préciser. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait 500 députés, il faut qu'il y ait 108 sénateurs, ce qui va aller, Bango, ils ont tout, mais au moins que le quorum de Bango est atteint. Et quand on va présenter, pourquoi le constituant a insisté sur ces mécanismes-là? Parce que ce sont les trois composantes qui composent, qui constituent la représentation de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que le président de la République avait choisi trois personnes, il est là. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, va présenter qui trois personnes, Bazali. Le Conseil supérieur de la magistrature a présenté trois personnes, Bazali. C'est-à-dire Bango Bazali, ba source, il y a Batou, on a passé Baouti. Alors, ce qui composante, Moko, Isaté. Et là, qui sait que la procédure n'a pas été bien respectée? Et puis, c'est qu'il y a à Béron. On a substitué le Parlement par le Parlement debout. Donc, il y a des gens qui le Parlement institution dans le Parlement debout. C'est-à-dire que le parlementaire debout, il va être remplacé par le parlementaire élu. Moi, tout ça, toi, la balade. C'est-à-dire, comment peut-on expliquer que le Parlement institution a la remplacé par le Parlement debout? N'a pas Parlement debout au moins, bah Mukoko, bah Moussousona, bah Bandigno, surtout, bah tout, il y a des personnes, bah Zagana, bah Kuluna, bah côté ici, bah on a Kati, il y a assiégé, bah prendre d'assaut le palais du peuple, bah remplacer. Et M. Félix, c'est qu'il dit, ah bon, une institution constitutionnellement établie devant des gens qui n'ont pas qualité. Mais quelque part, papa Alain Bolodjoa, au Komonate été Essengel Nabai FCC, Batika, président Félix, Yemoko, pour na assalé la mandat naïe, parce que Essengel était en 2023, et Komate Baloba, na population, et l'obéla, président Félix, et l'obéla Bahi FCC, au Moni, ce qui est le Oyo, président Félix a zuté, Zali, grâce, Nabino, Bahi FCC, Essengel était Botika et assalé la mandat. Kolobela na likambo
mais matali ba parlementaire de Bundenge ba basali ndenge wa nezapeka loko ambela pe ba ilamuka e ya kobwa kolobate kalate tokoyawa anapote esengeli biso banso tokenda ko siéger libanda ya palais du peuple yango anape ba yi ngambo pe ya UDPS pe basali pe pona mokolo mwa lelo te mama nangai eloko ezali bien ezali vrai ba tunyo se sengeli ba yi bezali. Et ça dit que bateau bazako kanisa qu'il faut battre la monsieur Félix c'est que dans ça pour la plupart des cas baïe baké bazako faire preuve d'inconscience parce que qu'est dit la constitution par rapport à l'organisation à l'état il y a ce qu'on appelle le fractionnement des compétences on va bien la séparation du pouvoir chaque organe de l'état a une mission mission na yé et aller que pèse sa nature et action y a composé. On a disséqué le pouvoir en trois. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif est un pouvoir bicéphale. Nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement. Le pouvoir exécutif a créé un cadre de concertation pour harmoniser leurs démarches. On va bien dire conseil des ministres. Le conseil des ministres est le cadre de la concertation entre les institutions. S'il y a divergence, c'est en ce moment-là, c'est là, dans ce cadre-là, qu'on va harmoniser le point de vue. Et quand ils prennent des décisions, ces décisions sont imposables à tous. Parce que bah, de manière collégiale. Donc, quel est le niveau il y a parlement. Le parlement est bicaméral. Tout d'abord, il y a l'Assemblée nationale et tout d'abord, il y a le Sénat. Et quand on parle, il y a un cadre de la concertation. On va bien dire le Congrès. Toutes les décisions qui sont prises au niveau du Congrès sont imposables à tous. Ok, il y a un niveau de la Cour des tribunaux. Tout d'abord, on va bien dire le Conseil supérieur et la magistrature. Et d'ailleurs, quand ça peut être composant, tout d'abord, on constitue un mot. Ce qui va décider au niveau du Conseil supérieur et la magistrature est imposable à tous. C'est dans l'harmonie. Dans les actions, on va composer une efficacité et l'efficience dans les actions de l'État. Ce qu'on va dire, c'est que qui batique là, M. Félix, c'est-à-dire que tous les autres pouvoirs écoufent. Il y a comme un pouvoir plaigner de décider sur comment faire. Non, le pouvoir d'un président de la République dans un État démocratique, qui se veut démocratique, il faut l'encadrer. On ne doit pas faire de M. Félix ce qu'il y a un monarque. Mais là, ils allaient, ils allaient. Mais surtout, il y a une crise de ménage. Entre l'époux FCC et l'épouse IDPES. Ce qui va être un conflit entre Bango, on est d'ailleurs concerné par l'intérêt de Bango. On peut comprendre parce qu'il y a une alliance. Mais quand leur alliance est commis comme impartée dans l'État, ça pose problème. Comment voulez-vous, quand la Constitution dit, Monsieur le Président, avant de prendre telle décision, il faut qu'il y ait contre-saint, il y a le Premier ministre. Yo, boy! Bolingo, ça, Makambo, Yoling. Non! Un président de la République n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il veut. Un président de la République a ses compétences où il allait articuler dans l'article 69. Ce qui est okay, au-delà, il y a une haute trahison. Et puis par rapport à bilan, bah, tu faut bailler. Bah. Le bilan n'est pas par rapport à l'institution président. Le bilan, c'est par rapport aux institutions. Il y a le bilan de l'Assemblée nationale, il y a le bilan il y a Sénat, il y a le bilan il y a gouvernement. Il y a le bilan et le président de la République. Quand on va faire l'évaluation, on va voir qu'est-ce que les institutions, chaque institution a eu à faire. On va présenter un bilan. Pour les députés nationaux, et la question c'est que ceux qui vont faire le bilan à Mabé, ils vont reconduire la population à sanctionner. Et la question c'est que ceux qui vont faire le bilan à Mabé, les députés provinciaux vont voter, ils vont voter, ils vont voter sanctions. Et la question c'est que le Parlement, pour le Premier ministre, était où on a parce qu'il a géré qui Mabé. Et puis pour le président, les aliments. Mais le quoi va aller dans la coalition, tout va porter responsabilité à bilan. Chacun a sa responsabilité. Ce qu'on va le quoi va mettre en partie mode traditionnel. Bah ça n'a pas ça au milieu de philosophie wana. Il dépèse maman langaï. Bah d'ailleurs bah tout le monde moi il dépèse. Et allait partir. Bon il arrête d'abord groupe de pression et il commence à partir en 99, en 2009. Il dépèse. Et allait partir créé par un docteur en droit coutumier. C'est à dire que bah là qu'on soit marabout y a coutume. Bah là qu'on met maman la marabout y a l'État. Y a moi là où ça la mabé maman langaï. Le président de l'État n'a pas le pouvoir plénier. Le pouvoir de l'État dans l'État n'est pas absolu. Chaque organe a ses missions. Il y a tant que mes effets, c'est qu'il y a un assommé par camion. Après, si dans la régie, il y a un caravane, il y a un pétrole. 25 kilos et 25 litres, 300 francs, 500 francs. Ça, ce n'est pas sa compétence. Comment il y a commis qu'on marche sur les compétences des autres? Et puis, le rôle, il y a présent de Vigazali. Azali, par son arbitrage,
dès le fonctionnement, ben, il faut la garantie. C'est-à-dire, le rôle de Naïdali, de veiller à ce que chaque institution a sa moussa à Naï. Mais il y a comme il faut empiéter dans la misère à Baninga. Nous on a pourquoi? Parce que Moutazaki n'a pas ça, il a qu'on marchait sur le tapis rouge. Mais c'est fait, c'est qu'il n'a pas la maîtrise du fonctionnement de l'État. Et puis, tu as un bateau qui est entouré. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait la qui s'habille, ce qu'il y a un pouvoir, il faut qu'il y ait violé la Constitution. Pourquoi Aïe Bissaki va député ou un membre de la Cour constitutionnelle va démissionner? Est-ce que vous avez dit que ceux qui va démissionner, va dire que non, voilà, nous avons démissionné parce que nous avons constaté que notre cause a la possibilité, il n'y a aucun Cour de cassation. On n'allait pas avoir le débat. Le fait seulement qu'il n'a pas respecté la procédure et que Yemoko a prêté serment au regard de l'article 74 de Natanaka, qu'il a obligé, à lui engagement, de respecter et de faire respecter la Constitution. Le fait que Yemoko a respecté la Constitution, automatiquement la fonction du président de la République est allé considérer comme immorale. Mais ce fait, c'est qu'il est en train de tuer l'État. Mais les gens ne comprennent pas. Et puis, le coup ça, Zoba, monsieur Zali, il y a FCC, il n'y a pas de la paix. Il y a une sonité. Il y a une population qui a sanctionné Kabila. Kabila était déjà parti. La population a sanctionné Kabila. Kabila a été sur la à qui a une élection, à se sacrifier, à voter Mouto et à Lingaki. Bobo et Moutouana, mais je fais ce qu'elle a animé pour soutenir Kabila. Les gens qui ont mis à vie, ils ont mis à la fois, ils ont mis à Kabila pour soutenir. Mais nous, quand la population dans son ensemble, à Sangana qui pouvait partir Kabila, la personne qui a donné le Kabila échelle pour que Kabila zone à l'élo, à comment manipuler, c'est la personne de Félix Tshisekedi. Mais voilà, les gens nous disent non, voilà, il faut boya, bo soutenir, parce que ça, ils ont mis à Kabila. Mais attendez, après, à Bounissi d'abord, la Mouka, à Genève. Azui a signé un accord avec Vital Kamerhe. A Bounissi, Vital Kamerhe. Le lot a Bounissi Kabila. Après, a Bounissi Nani. Les gens ne comprennent pas que vous êtes en train de créer un despote. Félix Tshisekedi sera pire dictateur que les Kabaos, nous tout connaîtra. Parce que la plupart des bateaux, comment est-ce que le président. À comprendre que Basaka n'a pas pouvoir, parce que attaque au Baloba qui était prestation à serment et qu'aux Alaté, si Félix Antoine Chilombo, le Loto, Moniango, te yé pensé la prestation à serment à l'obité et qu'au Salema. Et puis, Yango Anna, maman Angaï, et papa, les erreurs étaient beaux à Kabouya Kabouya Katan, on peut au Moninga, mon soupe à Salem, madame Bondi. Ah, maman Angaï, nous avons un pacte. C'est la Constitution. Oignon sur le sol en dehors de la Constitution, au sol en contre le peuple. Et puis, dans les institutions, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des animateurs. Ce qui importe pour toute institution, c'est la crédibilité. Ce n'est pas la présence des individus. Parce que ce qui est la crédibilité, elle est mise en mal. Cette institution n'est pas crédible. Pourquoi on a combattu Mobutu? Est-ce que Poste est là qui vide? IDPS va dire que Bazaki qui créé pour combattre le régime à Mobutu. Est-ce que le poste est à président qui vide? Il y avait quelqu'un, mais le mode d'accession à pouvoir, n'a le lingue à gérer des salariés qui va combattre. Aujourd'hui, M. Félix, c'est que d'abord, il est un président kabylocratiquement élu, avec une majorité artificielle, on va bien absorber la factice. La Cour constitutionnelle a été illégitime. Le Sénat. Azali Bato, Azali corrompu et corruptible. Ce qui veut dire qu'on a rempli tous les critères, il y a État Mouini. C'est-à-dire qu'on a rempli tous les critères, il y a État anarchique. Ce qui veut dire que l'honnête Azali Boué, l'État se meurt. Monsieur Félix Tshisekedi a touché l'âme, il y a État. Et conséquence, c'est Zanine. Après Monsieur Félix Tshisekedi, il y aura des jurisprudences. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Le fait seulement que la Cour constitutionnelle a perdu crédibilité, le pouvoir est dans la rue. Moutou Amaka, s'il a son pouvoir, il va trouver un socle. Le fait seulement qu'il y a des articulations de l'État, personne n'a le pouvoir d'imposer aux autres ce qu'il veut. C'est-à-dire que Moutou Amaka, sinayo, tu peux maîtriser M. Félix, c'est que vous maîtrisez M. Kabila, FCC Cash, Otié Bango Libanda, comme il a pouvoir, au qu'on justifie par le fait que Bango Moko va briser le pacte social. C'est ça la dangerosité à M. Félix. Les gens, Bazako Sepe la peau, M. Félix, c'est qu'il a Sangisi Batou. Mais est-ce que la Constitution a été respectée? Ozako Sangisa Banane, à Sangisi va parlementaire debout, à remplacer va député par va parlementaire debout. Et aujourd'hui, on applaudit. Ce qui est aberrant. Est-ce que vous n'avez pas suivi, vous tous, dans l'Assemblée nationale,
Bayembi hymne hymne ya parti ya UDPS. Et puis monsieur Félix c'est que à tomboli boye na signe à victoire. Na quatre institutions de l'État. Bayembi hymne ya parti. Na quatre institutions de l'État, Bayembi hymne ya parti et la personne qui est supposée être apolitique à tomboli maboko. Ce qui veut dire que à la koyeba que aujourd'hui nous ne sommes plus gérés régis par la constitution mais par le règlement intérieur na statut ya UDPS. Ça c'est tuer l'État. Merci beaucoup. Papa Alain Bolodjo a tokota sika na mambi mai matali Minembwe commune ya Minembwe réponse na etoyoki etoka kita koloba dans 48 heures malheureusement est-ce que tokoka te ba député à FCC ba bendana ki akoloba ka mokolo mo lelo question mark. Motuna biso ezali ya kolelo papoyi. O talaki mambi wana o landaki ba intervention ya ba maman Eve Bazaiba Mbaki Moko, yabai député provincial, yé na réponse na yé, alobite esengeli ton dimate ba banyamulenge, bazali ba Congo mani, pote bango, bavanda na mabele wana utokala. Esengende to mousou kosa la université a monene na Minembwe pour que esala ba ebanso mukongo mungala oya wuta kuna basangana ba bota bota entre bango nde kosa la telikambo wana. Parce que bango ezali kambo toko bundisa depuis 60 ans te na moyimo le likambo wana et si la kate bayi politique ba kokosa et serait tondima bazali ba congolais pote to boma likambo wana parce que ba banyamulenge na ngambo na bango bazali ko se victimiser ba koloba te tala ne ba kolinga biso te tala makamba ko sala bayi politique ba kokosa sur likambo wana yo lobi ni pona ngo. Maman Angaye, ce que vous avez dit, c'est que vous avez honorable Moukébal. Voilà. Une autre âme perdue. Au moins, il y a des personnellement, on a joué à M. Moukébal comme un homme sérieux. Et fort malheureusement, a commis trop emporté. A commis trop emporté dans l'analyse. C'est-à-dire que le fait seulement qu'il y a un locataire, il y a quatre lopangs, il y a un fan. Locataire wana aumela abongisa cuisine na toilette le quoi ce que locataire inga ngo bimsa locataire abino na bongisa misala nanga ndaku na kufana nanga to komi ko propriétaire soko lingi to salami ou sinon dimanga na fanda ratim ko na ko lemane na ki non il y a possibilité de trouver la solution en évaluant le coût ya ba travaux bozongi se lembonga ki. Ce n'est pas par le fait que ces gens-là vont oumeli na Congo, mais il faut tout bas obligé de son nationalité. Et puis qui vous dit que tout bas ça va tout bas nationalité? Mais si vous avez une nationalité, il faut passer par la procédure. Vous passez par la procédure et après, vous avez une nationalité. Mais si vous avez une nationalité par l'administration, tu as quel type de nationalité? Vous avez un Congolais d'origine ou vous avez un Congolais par naturalisation? Et le droit à Congolais par naturalisation, parce que vous avez un. Nous avons des généraux, nous avons des ministres, nous avons Moutoumsou Soukout à la ligne à la fonction et Belé, va interpeller les autres. Mais c'est que l'État congolais au départ n'est pas le propriétaire originel. Il y a Mabélé. Mabélé, il y a la communauté, il y a le peuple avant. Parce que quand on constituait l'État, l'estanlé à Sarandeni, aïe à Solonina Mokunzambo qui va signer un accord, ma convention, à Zui. Ba sangisande ma convention, va signer un propriétaire de terre. Ne va kenana on la conférence de Berlin. Tant on va commis la conférence de Berlin, la Belgique a vu, donc voilà, toute ça la zone moko tampon, au bus de gérer, et à la moko, et à la poule intérieure à la communauté internationale, n'a renvoyé bien l'acte de Berlin, l'article 2, c'est-à-dire que Batoutou va pouvoir copier. Mais la Belgique a l'équipe n'a prééminence sur les autres parce que lui, il avait des actes d'engagement avec les propriétaires de terres. C'est sur base de documents où il va signer qu'il n'a pas propriétaire de terres, il va créer l'État indépendant du Congo. Si vous avez aux réfugiés, vous avez aussi un Mabélé. Est-ce que vous voyez qu'il y a quatre Bibles? Il y a un peuple qui a fait quatre siècles dans l'Égypte, mais jamais personne n'a pas une nationalité. Ce n'est pas par le fait que vous occupez l'espace qu'on doit vous donner la terre. Non, vous avez peut-être droit à la nationalité et non droit à la propriété. Faut que vous ayez ça l'effort. Oui, bah tu as tellement besoin de soutenir M. Félix Tshisekedi. Yé mon nom M. Félix Tshisekedi. Or je, bah tu as besoin de soutenir, bah on comprend. On peut accepter que bah comme on va congolais, mais cela ne veut pas dire qu'il faut comme on va propriétaire de terre. Est-ce que tous les naturalisés ont droit à Namabélé?
Ce qu'on va communauté au Bazala Kiwana. Il faut pas la victime, il y a réflexion. Balongo là-bas au Bazala Kiwana, Batia Bango pour n'avoir ses pésés. Vaut mieux faire la guerre pendant 100 ans que céder sa terre. Bato Balobarabo sont des lâches. Vous avez peur de quoi? Allons faire de même, parce qu'il y a aussi des réfugiés rwandais, congolais, na Rwanda. Allons faire ça à Kagame. Le Hutu Kutu Bakolo Mabele Kuna na Rwanda, Bazana Bitumbalo na Batuti Po Bawe na Mabele. Bazana Banyamulenge Maman Angaï. Ça ce sont des lâches qui le disent. Banyamulenge ont leur place, ce sont des Rwandais. Parce que le mot Banyamulenge, bino rabo pesi bango contenu. Ce sont des Banyarwanda. Ce sont des Rwandais. Tout Rwandais, Mabele na Rwanda. Ceux qui bolingi bo pesa bango nationalité, nous sommes d'accord. Mais vous pensez avoir une nationalité en respectant le droit privé, y a baninga. Bon, vous pouvez être la baninga, ma belle, t'es bon, vous banga ba Rwanda, vous banga bitumba. Monsieur, vous même mourir. Vous même s'arrêter au sable aventure à l'eau salaire. On ne cède pas la terre. Ce qui est allé héritier à ma belle, je vais lui rappeler. D'ailleurs, il est héritier. N'amour en abango, qu'on connaît pas ça à ma belle. Ah, que vous pensez à ma belle, n'abango. Pourquoi il faut obliger aux autres à céder ma belle alors que vous voyez que personne n'a le droit, y a roboté la moutou ma belle. S'il faut se battre, on doit se battre. Bon, créer confusion dans l'esprit de la population. Bon, démobiliser la population. Accepter de donner la nationalité, nous sommes d'accord. On peut le faire. Mais on n'est pas obligé à cause de ma belle, si tu peux, ça va moi. Si on va coller ma belle, on va moi. Moi, j'ai une aventure. Là, vous avez un exemple. Je ne sais pas, moi, j'ai un bateau commis vraiment inconscient. Comment expliquer Moutaya Koulobano, voilà, et pour que je ne sois Bitumba. Et qui vous dit que si tu peux, ma belle, tu vas au. Et vous pensez que bateau bazali na minembe ka bango ba suka ba out ba tuti. Il y a d'autres réfugiés partout dans le nord qui vous bazali. Il y a des outs qui sont là. Et à chaque fois que comme après 60 ans, tu comme ici ba réfugié, ba comme ba comme ba propriétaire de terre. Chaque fois que tu ressors à 60 ans, il faut ba réfugié ba comme ba propriétaire de terre. Ça c'est une jurisprudence mais bon mais la biso. Zoba. On va pas se laisser faire mutunyo soyez bango ba c'est dans ma belleté. Olanda qui est Rouberoua, Lolenge Kanya, Télémaki, Po, Nakoloba, point de vue, Nayo, Namaïman Soana. Non, mais M. Rouberoua, c'est un menteur né. Il y a Botama Moutalou Kouta, Nakama Rouné va bien aller pasteur. Et fort malheureusement, il venait aussi dans mon église. C'est quand même surprenant. Est-ce que vous voyez que Rouberoua a eu un catch à rapport mapping? Quelqu'un qui a occasionné plus de 1 million de morts au Congo, pourquoi vous avez comme référence? C'est un menteur! Qui a créé. Territoire à Minembo. N'est-ce pas le RCD? Si on a dit que non, il n'a pas l'intention de faire ça. Nous avons des vidéos. Là même, sur la campagne par rapport à Minembo. Il y a le Tarando Tomoro qui a comme à Rouad. On veut nous distraire. Non, voilà. Non, attendez. Mais c'est Roubert, on n'a pas le droit de nous imposer vision naïe. Nous sommes un peuple souverain. Sauf peut-être ceux qui ont reconnaître la souveraineté de la communauté. Mais ce Roubaix ne mérite pas d'être ici. Il ne faut pas retirer la nationalité, pas chasser Nambo Kao. C'est un bandit. Comment voulez-vous, yo ba yeba yambio na mawa, ba komi oya ki a comme réfugié, oya rotanga comme exilé, ba tangi sio na classe sili, aussi si classe, ba pecho musala, o komi ko senga mabele, o sengi nationalité, ti a kozwa mu komsu ba biwo voilà, na komi mo konza mboka, na komi na longue république et komi parce que lui il a rêvé de faire d'être un monarque. Il faut les gens bazaba apprendre à cause à sérieux. Soyez boza sérieux tembo ko eza okufa. Ce n'est pas parce qu'on a peur de la guerre qu'on doit céder nos terres. Est-ce que vous avez que na Faradje il y a plus de 15 ans. Ceux qui ont conquis 60 ans, tu peux pas m'appeler. C'est ça la philosophie. Bazon me peut basaler à plus de 60 ans. Ceux qui aussi si Amazon, tu peux pas m'appeler. Quand on a l'Équateur, on a les Soudanais, Bazali, on a les peuples qui sont Bazali, on a comme des réfugiés. Ceux qui sont aussi, tu peux se faire m'abeler. Bon, on va tout faire, on va faire un bon point. Bon, on va faire un pays voisin, Angola, on va faire un point. Pourquoi l'Angola, dans l'Angola, on va faire un débat? Il y a aussi des réfugiés là-bas. La Tanzanie va réfugier Bazali, la Zambie va réfugier Bazali. Pourquoi ces réfugiés-là n'exigent pas les terres? Pourquoi ces mains, tout ça, excepté par la Bissot? Parce que vous êtes des lâches. On ne va pas se laisser faire. Boye bagayango neto zali boye.
On va s'organiser. Même si tout le monde y a Congo a accepté de céder ma belle, nous allons nous battre. Même après 100 ans, tu récupéreras ma belle. Personne n'a le droit de toucher à notre terre. Tu sangis ça rendait ma belle. Et là, ma belle, tu sangis ça. Avant l'État l'a créé, biso tu as propriétaire de terre. Tu sangis ça rendait ma belle. Et là, ma belle, tu as capé la biso pour ton cabola. Le gouvernement des États-Unis. Non, ce sont nos terres à nous. Ce qui est bon, nous nous disons, on ne va pas se laisser faire. On va se battre. Même à ta soeur qui te recouvre à l'eau, le bureau n'a pas de bunda, tu récupéreras toujours ma belle. Au Alignafa en Congo, à ça, le quoi, Léon de Saint-Moulin. Il a été naturalisé, mais il n'a pas posé de problème de terre. Tiens, Koufi Tokundi avec honneur. Il était aussi ici au Congo. Il a été naturalisé. Mais pourquoi il n'a pas posé de problème? Chaloup Paoté était aussi naturalisé. Et pourquoi on nous dit non, voilà, ceux qui ont dit qu'ils n'ont pas de problème? Non. Moi, je suis là qui mes alliés. Tout ça, est fort que la démocratie comme en Rwanda. Est-ce que vous avez une réflexion on a été? Si nous aidons le Rwandais, il y a se débarrasser de Kagame. Bateau va aller majorité à base de pouvoir. Vous pensez qu'on va avoir des problèmes d'insécurité? Le problème de l'abus sur l'insécurité, c'est justement parce qu'il y a quelqu'un qui est trop ambitieux, qui a su mater la population naïe à s'imposer à Yangozali. Parce qu'il y a dictature dans Rwanda, voilà pourquoi nous sommes en insécurité. Et puis tant que bah, non, ces gens-là vont se victimiser. Mais nous avons des éléments. Nous en avons, papa Mwanda, mais tous les éléments là. Nous en avons. Nous avons des preuves que nous avons des et bien, voilà, parce qu'on a peur. Attendez, on a eu déjà plus de 6 millions de morts. Il y a un peu de temps, ok, acceptons seulement de céder. Je vais vous dire que vous avez un peu de temps, téléphone. Vous avez un peu de. Oh. Parce que pour la communication, il faut que vous le dit que vous avez dit que vous avez téléphone. Vous ne va pas réagir. C'est pas comme ça. Vous avez le loco et après, vous avez négocié. Non, voilà. Vous avez 50 dollars. Bon, vous avez. Ça ne se fait pas. Et loco na yo eza yo. Apprenez à respecter et à défendre votre héritage. Mouto a respecté l'héritage, n'a été à la ligue considéré comme un infidèle. Allez lire la Bible. Et c'est honteux pour les Congolais. Il y a Sony. Maton Domingi, papa Alain Bolodjoa, na ko li ki ate penza kanda eko matase ko mata, kasi e singeli te to lobela mambi ma e matali demokratiko du Congo, pona baye batali bayi Rwanda, paske lelo oyo na tota akipe e mwa moke penza ba mobeko eye etali mboka ya Rwanda. Yango wana to yaki mingi mingi pene na yo po ote totu na yo. Balobite, ba yi Rwanda epa ina bango okoki ko zala na yo ata na ba nationalite pe ebele na article 7 na bango ya mobeko li kondi kasi okoki tete olongwa moyi Rwanda. Ezali pe parmi question e na tunaki honorable Mike Mukebayi kasi ya lo bakite esengeka po na babadi ya mulenge tondima te bazali ba Congolais po na koboma moto. Parce que ce qui t'ont dit, c'est moto qui vous fait. Maman Nangaï, batika moto. Moi, franchement, moi, je suis pas sûr que je suis là. Si vous moto, vous êtes là, moto, vous êtes capable de faire. Tant que vous avez référence à la constitution à Rwanda, vous avez la nationalité rwandaise et l'ongwakate. Si vous avez un bateau qui a sa nationalité, ne veulent pas s'intégrer chez nous. Ils se comportent en rwandais. Vous avez un bateau qui a belé, pour y avoir un bateau. Après, on a su que ça est dit. Voilà, le quoi, tu perds la nationalité, tu as tu préfères tout à l'attacher à Rwanda. On va faire quoi? On va annexer notre espace à Rwanda. Pendant ce temps-là, lui, il va considérer ça comment? C'est en ce moment-là qu'on va préparer la guerre. Bon, il dit que là-bas, on a un héritage à Bitumba, à parce que vous avez. Vaut mieux faire la guerre. On ne va pas se laisser faire. Moutoua n'a pas sa nationalité, Nabiso, ok, nous acceptons avec des droits limités. Ça, nous sommes d'accord. Parce que les Libanais, Bélé, Abana, la nationalité. N'a pas cet exemple à Léon de Saint-Moulin, à Koufa Congolais. Vernon, ou à l'équipe pasteur à la borne, à Koufa Congolais, Bakounde et Naba Congo, à Sengama Bélé. Pourquoi on a fait exception? Parce que, et puis, vous allez surprenant. Koulou Nangama et Kimoukebaï, il a toujours été proche à la Rwandais. Tant qu'on n'arrive pas à Kinké, moi je le connais. Il a toujours été proche à la Rwandais. Et là, il y a un peu de. Nous, nous avons besoin du changement pour tirer ça à l'absurde aventure. Mais là, comme ça, il y a un peu de. La philosophie à Rwanda, c'est une bonne chose. C'est-à-dire quoi?
Mouto a botami congolais d'origine, vous avez droit de voter la nationalité. Mais notre constitution est à l'élo, Babine article 10, que Mouto a voté la congolais, ceux qui ont changé la nationalité ou perdre. Ça, ce n'est pas bon. Ça, sur ce point-là, c'est ce que nous défendons. Babo te la ramoutou nationalité d'origine te. Parce que la li propriétaire. N'a de rose à le propriétaire à l'opango. N'a tché locataire. N'a qui confond à l'opango. Moussoubo. Non, voilà, le confond n'a ressource à te l'ongwe. Non. On ne peut pas perdre la nationalité d'origine. D'autant plus que cette nationalité est la li liée à l'existence yamoutou. Ce n'est pas un acte administratif pour Babo te la ramoutou nationalité. Babo te la ramoutou nationalité. Oh, la li congolais naturalisé. Mais tous les Congolais qui vivent à l'étranger ont le même droit. Mais les Camerounais soupe papa Alain Bouloja pour être aussi les loi il y a organisation et tout peut être le loi il y a ONU et le bac a été Moi Rwanda hier a coupé Penza a occupé bas poste mon côté il y a l'icolo na République démocratique du Congo qu'est-ce qu'il y a pas si les alités tout mon agaka katata Mobutu Sese Seko hier mon coup Penza pe a buka kanaye Mobeko yango en nommant Bisengemana qu'est-ce si kalelo penza tokolobani ni papa Alain parce que ezali mobeko ezali kosala pasi na bakongo mani basusu balobite to talaki pe te Mobutu ye bisengema nazalaka dirkab na ye de 1978 nenge to lobaka ete na 1988 10 ans nani yango wana oyo a pesaki na 1971 nationalité na Bayi Rwanda banson un problème à résoudre aussi yango wana mama ngai batu bakuta na confusion te. OK, le directeur ya cabinet c'est vrai qu'ils ali poste moins éminemment politique mais ali plus na caractère moro administratif. OK, on peut avoir mutu ali na nationalité x ou y. Mais le quoi ils voir. Monsieur Mobutu, la société ou sinon l'État congolais avait compris qu'il va faire une erreur. Pas erreur en termes, il y a coupé sa nationalité, mais erreur, il y a coupé sa nationalité en masse. Il y a eu un acte qui a corrigé. Vous avez aussi la référence à l'acte à 71 ou à 72. Mais vous avez aussi un acte à 81. Parce que vous avez posé pour justifier la position de Abino. Ce qui bango bazaki ba congolais d'après bato bazako soutenir ki ba pesa bango mabele. Ce qui bazaki ba congolais d'origine, pourquoi bango ba menaki démarche ya ko senga ba pesa bango nationalité? Est-ce que boloka ba sango ke non il y a un acte et comme ça ba mongo ba congolais? Est-ce que boloka sango il y a un acte comme ça ba kuba ba congolais? Ba yanzi, ba tetela, ba songe. Ba mbala, ba ndibu, boloka sango ke acte moko mobuta zwaka a pesa bango nationalité. Ce qui bazwaka acte moko pona ko pesa bango nationalité, cela sous-entend quoi? Avant bazwa acte na bazaka ba congolais te. Mais le fait seulement que acte est acquis contre la loi, ça ne respectait pas le principe, et ben ils sont revenus à la raison, bazwa acte a quoi annulé. Ce que bozo ko pesa ka référence ba pesa bango nationalité. Mais avant ba pesa bango nationalité, ils étaient qui? Mais aujourd'hui, il y a un Congolais d'origine. Alors que l'acte il y a des pas, il reconnaît que un Congolais d'origine, il y a un Congolais par naturalisation. Mais autre ça, l'élo, ça n'a rien à voir avec l'acte, il y a ordonnance à 72 ou 71. Ça, c'est une autre démarche. Et confusion, il y a ça, mais justement parce que nous avons des peureux. On a vu que nous avons presque des lâches. Des gens qui considèrent que le Rwanda est une super puissance, il faut te battre à Rabango parce qu'ils vont continuer à nous tuer. Et ces gens-là qui se battent là-bas, la tribu est là pour défendre leur terre. Qui a déjà pris la parole dire que non, voilà, Bafoulé, Roy, consort, nous vous soutenons parce que vous vous battez pour votre terre. Vous ne voyez que la partie à Rwanda. Mais il y a aussi d'autres victimes là-bas. Il y a des tribus qui se plaignent par rapport à la réalité. Bon, ils considèrent bango, bon, on a raga ba revendication à ba Rwandais. Des lâches. Il faut tout faire pour que le Congolais va comme conscient. Ba badinara avec la terre T. On peut négocier la nationalité, oui, mais on ne peut pas négocier la terre. Parce que n'ezaili wana l'État congolais a été créé sur base ya kosangisa ba mabele. Si l'État congolais peut avoir l'influence de décider sur qui doit exploiter là-bas, mais l'État congolais n'a pas le droit à boter, à exproprier, à tout mabélé, qu'on peut s'en aller une autre communauté. Et ça, là, m'a été. Merci beaucoup. Les Israélites, ça a 400 ans en Égypte. Bazo mabélé. Maton Domingue Ito, si l'issue émission à Bissot, papa Alain Bolojoa, Boni NCPO, levons-nous et bâtissons. Surtout que l'on a pensé, on a ce logo, on a toujours. Article 64, pour l'année. Article 64, c'est la conditionnalité pour que tu redresses les choses.
Au moins, nous sommes tous les institutions et les légitimes. Mais ces institutions-là ont le pouvoir, ont le pouvoir sur l'État. Il y a quoi influencer les institutions. Le quoi, tu as un esprit, il y a Kolinga, tu as un esprit, il y a révolution. Tu as un esprit, il y a Kolinga, que ça, la terre, qu'elle est à la forme, il y a coup d'État. Vous voyez? Tu as un apposé à terre, que ça, la coup d'État, il y a Kolinga, que Kanga, Batuko, Boma, Batuko, pour remplacer Bango. Tu as une idée à révolution. C'est-à-dire que le peuple, au regard de l'article 64, a se soulevé. Parce que le peuple a le pouvoir plénier, a le pouvoir absolu dans l'État. À se soulever, à se prendre en charge, à enclencher révolution sur base de l'article 64. À partir de là, le peuple a récupéré le pouvoir, à mettre en place, à convoquer un congrès fondateur. Le congrès fondateur a reconfiguré l'État en nous amenant dans une autre république, une nouvelle ère politique, un nouvel ordre politique. À partir de là, on est organisé par l'élection. Il y a un autre qui a insisté sur l'article 64. Parce que les élections n'ont pas posé ça la coup d'État. Mais tu as posé ça pour pousser la population à ça la révolution. Voilà pourquoi nous insistons sur l'article 64. Pour que tout se lève, pour te bâtir un nouveau Congo ou un Congo nouveau, il faut que le peuple ait la souveraineté. Et la souveraineté à peuple peut se confirmer à partir de l'article 64. Oui, le Bible. Ce qui va tout basé au continent à ma baie. Bah ça la en relation à l'intérêt à la population, le peuple souverain a le droit de chambarder le tout. Il y a un moyen de faire le lobby. Mais c'est fini, c'est qu'il vient de planter des corps. Il y a révolution. Si la population peut se prendre en charge aujourd'hui, eh bien, on va mettre de côté, mais c'est fini, c'est que M. Kabila, la FCC cache. Bah on tout bah qui va côté il n'a pouvoir pas avoir ma baie. Au bas exercer en relation avec l'intérêt du peuple, en ce moment-là, la population va convoquer le congrès fondateur. Dans le congrès fondateur, tu as qu'on entend tous les secteurs de la vie, bas ça, l'état généraux, va expliquer biso qu'est-ce qu'il faut faire. À partir de là, on va cerner les enjeux à niveau interne. Mais à partir de l'enjeu, on a une constitution qui sera adaptée à nos réalités sociologiques et anthropologiques. Pas le copier-coller de la constitution. On va maintenant avoir une constitution qui reflète la volonté de la population. Et puis à partir de la constitution, on a organisé jusqu'à les élections. On va créer des institutions par rapport à la vision d'Abisso. Et puis on va organiser les élections. En ce moment-là, on va résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Pour crise d'Abisso, les alinines. Même la constitution, les alinines n'ont pas de contradiction. La vision, les alinines regardent la constitution, ce n'est pas nos réalités. Ce ne sont pas nos réalités. Il y a un mot de l'obéla. Article 104, c'est-à-dire c'est la conditionnalité pour que tout comme à un niveau, y allons nous et bâtissons. Voilà. Merci beaucoup, Papa Alain Bolodjo. Lelo Otoyi Kolobate, Nakati Ala Mouka, Tango Kotala, Oto Kolobate, Adolphe Mouzito, Martin Fayoulou, Fé, Jean-Pierre Bemba, Elongo, Na Moïse Katumbi, Tokolobate, Bako Tambola Elongo. Maman, si la Tambo Elongo, Bango Bazali, en fait, la Mouka, il y a deux tendances. La Mouka structurelle, Nakati Kuna Bakabwana. Okomona. Bah affairiste, Bemba na Moïse Katumbi, il suffit seulement que moi n'ai pas répondu à l'appel à l'autorité immorale na Bango na l'Assemblée nationale. Ils sont là. Delice Sanga, Azakuna, Lubaya Azalikuna, Banyozo tout Bacheribe Okende, tous sont là-bas. Bah qu'est-ce qu'on répond à l'invitation à Nani? Il y a Mouto Bamba qui a été kabylocratiquement élu. C'est-à-dire que eux veulent faire l'opposition républicaine en s'opposant contre les dispositions conditionnelles. Ils sont là-bas. Ce sont des affairistes. Et de l'autre côté, tu as un bateau qui est proche de la population. Parce qu'il y a aussi, oh, bah, ben, la mouka populaire. Oh, il y a des tenues, la batou, autour, bah, il y a posé un changement. Bango Basangani, bah, il y a M. Mouzitu, na M. Fayoulou. Bah, deux couloutes, na biso, bango Basangani pour soutenir les peuples. C'est-à-dire que tu as un deux camps. Quand il y a un fanatique, na M. Félix, c'est qu'il y a un la mouka pro-pouvoir, na quand il y a la population, oh, bah, il y a un na biso. Nous ne sommes pas ni dans l'un ni dans l'autre groupe. Tous allés. Ce qui veut dire que pour Nangaï, nous allons surpris, pour Nalobango Bandakala, la mouka, et c'est Koufa, et c'est Kabwana. Bah, on va créer pas Félix, c'est qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de payer retraite, il n'y a pas de tikali. Il y a un peu plus de soutenir M. Martin Fayoulou, M. Mouzitu, pour Bango Badali, d'abord, Badali, dans la logique, il y a la mouka originelle. Voilà. Tous allés surpris, à comment la mambo est à Rosam. Mais donc, ils allaient comme ça à passer les années. Vous savez que dans le cas de la bataille, on a battu M. Bébao soutenir.
Il y a ça passe à moi. Mais c'est Félix qui a considéré les Rwandais comme les Congolais de Gonabiso. Pour affluer la population, pour calmer les ardeurs, il y a Batou. Aza aussi à maman avec légèreté. Batou n'a pas Félix Tshisekedi. Baza ko soutenir Batou Tshipo, baza ko banga. Donc baye bisi na Batou tout, baza ko kolo mabele, bokanga mitema ba chef continue baza kuna, bokanga mitema to pesa ba mabele poto na kimi. Ce qui veut dire qu'il a rempli les critères nyons sur la haute trahison. Alors, comment bino vous pouvez vous soutenir? Et là, vous avez passé. Baba, il dit non, voilà, tout ça qui m'attend, m'attend, et si, si on est commis, on a tout enterré, ma camboana, tout passé, tout a passé dans ma camboussous. Mais attendez, vous avez enterré Nini. Et là, vous avez dit que vous enterrez les ananas. Le droit souverain à peuple, vous avez dit que vous avez dit que vous ne pensez pas, mais c'est Félix Tshisekedi. Vous voulez accorder à M. Félix Tshisekedi un chèque en blanc? Est-ce que vous oubliez que la constitution en 67 est allée œuvre pour qu'on appartienne? Bobo, ça que la dictature constitutionnelle est où t'en aïe des. Vous serez surpris. Le biboko est là. A ko kangabino. Bino pe bozana. A ko kangabino. Parce que pour qu'il y ait un pouvoir, il doit s'écarter. Il faut aller au bout tout. Il faut gêner l'intérêt. En ce moment-là, vous avez un sous-peuple. Peuple, bon, M. Félix est comme dictateur. Mais il est déjà dictateur. C'est un despote. Comment vous voyez ça, opposition républicaine proche à pouvoir? Franchement, c'est quand même décevant. Ma tondo mingi to komi na suka ya emission na biso kasi ba yeba ko sepela te basola na yo na ndela ya singa to pe so kimbela ezali ya ko pesa ba o ba ko linga te basadere na NCPO ko lobana bangoni. La nouvelle classe politique de l'opposition est allée simple. Vous contactez, vous avez mis des gens qui contactez. Déjà, l'Obin a enregistré 36 demandes. Auto chacun à niveau y a groupe WhatsApp et puis bas en contact n'abuso bah au balingi bah quand en contact n'abuso les allées simples 00 243 81 250 28 51 250 28 51. Les allées numéro n'abuso ce beau bengi biso ensemble avec vous on va réfléchir ce beau bengi intégrer bas groupe n'abuso WhatsApp beau côté à partir de maintenant on va commencer à réfléchir par rapport à comment nous organiser. Tu as un poste à créer un parti politique, mais pour l'instant, tu as un état d'esprit, il y a révolution. Tu as créé un parti politique parce que combien de temps tu as créé un parti politique, nous risquons de nous. Tu as une logique qui a battu au Bazaliwan. Tout ça, on a une révolution. Après révolution, on va créer des partis politiques. À partir de là, tu as préparé des élections crédibles. Pas des élections au Moutala, déjà, tu as préparé tricherie. Il y a un poste à maîtriser CENI, à maîtriser cours constitutionnel pour se maintenir au pouvoir. Il y a un poste à maîtriser CENI, à maîtriser cours constitutionnel pour... Non, nous disons non. D'abord la révolution, article 64, le reste viendra par la suite. Maton Domingi, papa Alain Bolodjoa, tokoli qui a été tokomi na souka ya émission na biso l'invité ya mokolo mwalelo. Maton Domingi na équipe rédactionnelle ya Riako News, Michael Mikandeke, Jozo Komingo, à l'ingénieur Eric Lokole, ou akosa la direct à partir ya Palais du Peuple. Maton aussi na Dan Kiala, merci na assistance ya Yann, papa Alain. Nde Yann na monaraye mokaba na yo, donc. Bisika binso oko kenda penza ezali pe eloko moko ya malamu ya kobetela maboko penza parce que na arrestation na moto atindaki message Yannick na yoka ki deja paf message ya mbiko to mebino bozapi papa Alain wana akei en tout cas esala ki pe ke biso malamu po te to telemisa bandeko na biso ba ebazali na diaspora ba ebazali na Kinshasa po ba eba mambi maema komelaki ndeko Alain Bolodjo awa na Kinshasa balobaka l'église et la presse sont au milieu du village mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur vous dit que l'église est le corps du Christ, Christ est vérité, alors l'église et la presse sont dans la vérité. Bon retour à Kinshasa, mon grand frère Philemon Timbo, Boye Imala, Mounabaye, Banso, Bozali, Awa. Merci à Champion Mabouche Sango, Ipone Sec et Indiscutable. Un grand merci à Cécile Sango, la confiance du chef Serge Katembo, Maton Domingue Nabino, Banso, Maman Emilie Nzembaye, tous Pepele Ambetolo, Bino Bayo, Bo, Sepelera, soutenir Bisso, Nabatoli, Nabino, Botine de la Kabisso, Yango et Zalaka Penza, Boye Imala, Kastokoutana, Bino. Na mikolo mizali koya soki nzambe azongi te tika ete kimia ya kolo nzambe eko bako renye ote ya mabota mabino. Bon suite de programme sur Riako News, la chaîne qui vous informe. Alors. Riako News vous informer, c'est notre devoir.
Réaco News, la chaîne qui vous informe à temps réel.